Romain, comment vous sentez-vous dans l'équipe actuellement? Je me sens bien, je pense que la préparation m'a bien aidé et je me sens bien, les coéquipiers, je m'entends bien avec eux. Donc voilà, puis avec ma nouvelle association avec Sylvain Marchal, je trouve qu'on a beaucoup de complicité et là ils m'aident beaucoup. Donc moi je me sens bien, je suis très content de ce qui se passe en ce moment. Mes objectifs, ils rentrent forcément avec le club parce qu'on sait que le club il veut retrouver leur place qu'elles étaient dues depuis quelques années. Donc voilà, moi j'ai envie de retrouver l'élite avec le FCMS et voilà, je vais tout faire pour y arriver et je compte aussi sur mes coéquipiers et les dirigeants pour y arriver aussi. Moi j'espère un jour retrouver la Ligue 1 avec le FCMS et faire mes débuts en Ligue 1 avec le FCMS bien sûr. Comment vous êtes senti quand vous vous êtes dit, enfin quand vous avez su qu'on remontait en Ligue 2 et que par rapport au national que vous alliez être dans une équipe professionnelle? La différence, ce que j'ai ressenti, ben déjà un grand soulagement parce que écoutez, c'était l'objectif qu'on avait en national, c'est de remonter directement pour plein de choses, pour pas que, ben justement ça, pour pas que le club perde leur statut professionnel, parce qu'on sait que si on reste plusieurs années en national, et ben au bout d'un moment le club il perd leur statut professionnel. Donc voilà, on est très soulagés, très contents de ce qu'on a fait l'année dernière, de ce qu'on a parcouru, et voilà, je pense que l'important il était là quoi. Comment vous sentez le match de demain soir? Déjà, on sait qu'on enchaîne un deuxième match à domicile. Donc voilà, on a fait un bon résultat l'année dernière. Ça serait vraiment une très belle opération si on confirmait avec une autre victoire à domicile. Et puis on connaît aussi notre état d'esprit à domicile, c'est que voilà, on laisse rien passer, on est là pour gagner, ça sert à rien, on jouera toujours pour la gagne. Donc voilà. Et puis je sens le groupe assez soudé et assez confiant pour demain. Ça se passe comment l'ambiance dans les vestiaires après les matchs, par exemple lors d'une victoire Bon, on est tous très contents, on se saute tous dessus. Donc voilà, il y a le sourire un peu partout. Donc c'est la joie qui trame après le vestiaire. Et après, on est pressé de regarder le classement sur la télé. Et puis voilà, c'est ça en gros qui ressort après une victoire, quoi.